Chers passionnés, bonjour, bienvenue sur Essai Libre, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la nouvelle 308 phase 3. Et la série des 300 pour Peugeot est hautement importante. Pour ma part, j'aime cette série 300 chez Peugeot. J'ai suivi ça pour moi à partir de la 306 sortie en 1993. Et pour ceux qui suivent cette chaîne et qui me connaissent, ils savent que j'ai une passion profonde pour la Peugeot 306. D'ailleurs, j'ai encore un cabriolet à ma disposition. Après la 306, on a eu une Peugeot 307, que j'ai détenue aussi en version XSI 2 litres essence, mais que je n'ai pas appréciée particulièrement, ni dans sa qualité, ni dans son design. Ensuite, on a eu la 308 première génération. Là, catégoriquement, je n'ai pas aimé du tout cette version 308. Par contre, la 308 de deuxième génération, eh bien, elle a rencontré un vif succès chez Peugeot. C'est d'ailleurs un modèle très vendu en France. Et cette 308 de troisième génération se doit d'être réussie et de continuer dans la lignée de la deuxième génération. On va parler design pour démarrer, parce que la face avant n'est pas en reste. Vous voyez que ça a quand même été royalement bossé, avec des petits feux effilés et bien sûr la signature lumineuse de chez Peugeot, feu Matrix LED pour cette 308. Et c'est la première Peugeot qui arbore le nouveau logo, qui est démesuré. Il est assez proéminent. En fait, il a une autre fonctionnalité, c'est qu'il sert aussi à cacher tout ce qui est radar par rapport au régulateur limiteur de vitesse. Et ça, c'est pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce nouveau logo. Ça m'intéresse de savoir. Moi, je l'aime assez. Avec cette calandre à picot assez moderne. Les designers ont attaché une grande importance à cette face avant. Vous voyez ce chrome avec ces lignes ici. C'est vraiment assez réussi. Très bombé le capot, on le voit là en latéral. Avec une ligne ici, arrondie. C'est original. On n'est pas chez Ferrari, mais chez Peugeot, ils ont de Lego. Et ils mettent l'insigne sur l'aile, façon Ferrari. C'est destiné surtout au modèle haut de gamme, parce qu'ici, on a une version GT Pack hybride 225 chevaux. C'est une hybride rechargeable, avec un moteur essence de 180 chevaux et un équivalent électrique de 110 chevaux. Les deux cumulés font 225 chevaux. Une ligne de caisse assez haute et surtout un galbe assez impressionnant. On aime ou on n'aime pas, mais on peut admirer le creuset. Si je me mets comme ça en latéral, vous voyez qu'il y a quand même de l'épaulement. Pour moi, à l'arrière, c'est réussi. À l'avant, je suis un peu moins fan. Il y a quelque chose qui me chagrine un peu sur le porte-à-faux à l'avant, qui est pour moi un peu trop important, ou du moins... La voiture aurait pu être dessinée un petit peu autrement, parce que ici il y a de l'épaulement, mais c'est très droit et ça fait un peu rectangulaire. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans cette partie-là à l'avant. Au cas où on ne le sait pas, c'est une Peugeot. C'est bien une Peugeot. Alors on est bien chaussé sur cette 308 225 40 R18, ce qui est une belle taille. Le dessin des feux arrière est assez réussi. Vous noterez qu'ils ne sont pas rouges. Le petit bandeau noir, encore, marque de fabrique. D'ailleurs, l'ouverture du coffre, on peut être amené à la chercher. Vous voyez qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Il faut vraiment passer sur cette première barre là. En dessous, il y a le bouton. Et malheureusement, le coffre n'est pas assisté sur ce modèle pourtant haut de gamme. Ici, j'ai un câble de recharge puisque c'est un plug-in hybride. Et en dessous, eh bien, pas de roue de secours. Et surtout, il y a la batterie dans le coffre qui prend un peu moins de place que d'habitude. Mais elle est quand même là avec le caisson de basse focal. Aussi présent sur cette version. 361 litres dans ce coffre, j'ai envie de dire, assez suffisant. À droite, on a la trappe pour l'essence, et à gauche, vous avez la trappe pour le rechargement. Recharge surprise secteur chez vous, en un peu plus de 6 heures, ou sur une prise wallbox, qui peut prendre à peu près 3 heures sur une wallbox. Une batterie de 12,4 kWh. Le prix de cette finition haut de gamme n'est pas donné, 44 900 euros. Mais vous avez tout ce qui se fait de mieux sur cette 308, avec notamment son pack un peu sport. Vous voyez les bas de caisse, baguette sport sur le bas qui ne va pas jusqu'au bout. C'est un style. Alors, le compartiment moteur. Une petite prière du Saint-Vérin. Toujours trouver la manette. Oh non! Oh non! Non! C'est pas possible! Pas de Saint-Vérin, bon Dieu, sur une voiture comme ça! Économie de bout de chandelle, quand même, un petit vérin, ça aurait été sympa. Hein. Un moteur PureTech 1,6 litre, 4 cylindres, turbo compressé de 180 chevaux, avec la partie électrique qui fait un équivalent de 110 chevaux. Un ensemble
qui donne une Vmax à plus de 220 km/h, un 0 à 100 donné en 7 secondes 5, ce qui est, ma foi, suffisant. Restez avec moi parce qu'on va voir quand même ce que ça donne sur la route. Cette motorisation, je vais vous donner mon avis. Moi qui ai essayé d'ailleurs sa concurrente directe, la Golf GTE, eh bien je vous donnerai mon avis objectif. Pas grand chose à voir si ce n'est le cache plastique. Vu ! Avec un pseudo extracteur d'air noir laqué. Alors ça, je sais pas si c'est de bon ton parce que ça va être très très salissant. Un simulacre de canule d'échappement de chaque côté. Mais on va aller voir en dessous ce que ça donne. Je vais donner de ma personne. La voiture est assez basse. On voit la marmite énorme et le pot d'échappement qui est très très caché, on ne le voit plus. Il est ici sur la droite, mais il est très caché. J'ai la clé dans la poche. La voiture s'ouvre automatiquement quand vous approchez. Et d'ailleurs, elle vous reconnaît, vous voyez que les feux à l'arrière s'allument au moment de votre arrivée. Et les portes s'ouvrent. Des fauteuils Alcantara, tissu, cuir qui mélangent les matières. Bon, je ne sais pas, je pense pas que ça soit du vrai cuir, mais... aujourd'hui, on a des matières nouvelles qui imitent très bien. Mais voilà, donc un fauteuil assez bon et surtout très massant. On va le voir tout à l'heure. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma taille. 1m88. C'est assez prévenant quand on éteint la voiture. Le fauteuil du conducteur recule. Ce qui est moins bon si vous voulez monter à l'arrêt dans la voiture. Hein. Pour celui qui est derrière le conducteur, c'est compliqué. Donc je vais rallumer la voiture. Vous allez voir que... le fauteuil va s'avancer. Voilà. Ça s'avance. On va rester comme ça. Et maintenant, je vais me mettre derrière pour voir la réalité de ce qui reste. Voilà. C'est mieux. C'est mieux, mais... les places arrière, c'est pas les plus confortables. Hein. Sincèrement, c'est assez fou. Même si c'est creusé, du coup, c'est compliqué. Hein. Et le dossier en plus est en position très très droite, ce qui n'est pas très agréable. Après, la hauteur sous pavillon, ça va. Alors dans les contreportes, ça ne mousse pas du tout à l'arrière. Hein. On a mis du plastique basique, mais avec un beau grain. On va voir qu'à l'avant, c'est moussé sur le haut de la porte. Les passagers arrière ont le droit à un petit accoudoir avec des portes gobelets et la fameuse petite trappe à ski. Et on a une vision assez large sur cette high cockpit avec une planche de bord résolument design et moderne. On va aller voir ça de plus près. Et oui, ça mousse sur le dessus avec du focal en termes de sono. C'est pas mal parce que ça mousse assez bas hein, sur la console et elle est recouverte ici de simili-cuir. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Sur la qualité de fabrication et l'assemblage de toute cette planche de bord, c'est vraiment pas mal. Hein. Le petit volant et les compteurs plus haut. Ça fait quelques années que ça dure. Personnellement, je n'en suis pas très fan parce que par rapport à ma taille d'1m88, eh bien, je suis un peu gêné. La jambe du volant gêne la vue totale du compteur. Si je mets la caméra à hauteur de mes yeux, voilà ce que je vois précisément. Eh bien, vous voyez que le haut de la jante me gêne un peu. Je ne peux pas voir le Peugeot français qui est très beau, hein, cela dit. Donc moi, je ne suis pas fan de cette high cockpit. Je ne sais pas quand est-ce que Peugeot arrêtera ça ou s'ils le perdureront éternam. Mais voilà, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai une conduite avec un volant très bas. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ça fait débat. L'inconvénient, c'est qu'on peut être gêné sur la vision avec la jante du volant. Mais l'avantage, c'est que ce petit volant amène un dynamisme à la conduite. Pour le reste, Peugeot a revu ses écrans et de bonne manière, l'ergonomie est meilleure, la rapidité de commande des écrans est meilleure. L'écran est de haute définition, on voit hein, la qualité des images affichées. On a ici une très belle chose, ce sont des boutons programmables de fonction directe. Par exemple, si je veux aller directement sur les sièges chauffants ou massants, parce qu'ils sont aussi massants, ce qui est très bien d'ailleurs, on peut avoir une petite séance de massage pendant son trajet avec différents modes, le mode serpent d'un côté à l'autre, vous avez le mode papillon, enfin voilà, plein de choses avec des zones qui se gonflent dans le dos, c'est très agréable, c'est vraiment pas mal. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, Peugeot a vraiment bien bossé son interface infodivertissement. Et le compteur qui vous fait face, lui, est en 3D. Petite innovation chez Peugeot qui font ça de belle manière. Donc là, vous voyez, je suis en mode classique.
Pour passer en 3D, je peux faire glisser ici et mettre affichage 3D. Je vais vous le mettre, vous allez voir à l'écran, je ne sais pas si vous le verrez bien. Il y a comme deux écrans, l'un superposé au-dessus de l'autre, avec un petit écart entre les deux. Je vais laisser le 3D, ça donne un effet moderne. Les modes de vue se changent avec le petit bouton au bout du Komodo. Vous voyez, si j'appuie là, on va changer les modes de vue. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est ce qui permet de voir quand le thermique ou l'électrique fonctionne avec la 308 qui est dessinée. Un mode neutre. Double compteur, kilomètre heure, l'autonomie en essence et en électrique. Vous voyez là, 320, j'ai 320 en essence et 36 km en électrique. Sachant que moi, quand je la recharge, elle monte à 56 km. La donnée constructeur d'autonomie 100% électrique est de 60 km. Bon, déjà, quand je la recharge totalement, j'ai 56. Mais en plus, vous ne ferez pas 56 km. Hein. Je pense que c'est assez difficile parce que l'électrique, surtout l'hiver, ça descend assez vite. Hein. Il faudrait plutôt tabler sur une quarantaine de kilomètres d'autonomie. Donc un trajet domicile-travail est toujours intéressant. Et surtout si vous pouvez recharger au travail. C'est comme je l'ai dit dans mon essai Golf GTE, l'hybride rechargeable s'adresse à des gens qui roulent d'un trajet travail-domicile de faible kilométrage. Bien sûr, il ne faut pas faire 300 km par jour. Ça s'adresse à ces gens-là qui font des allers-retours travail-domicile en pouvant recharger à chaque fois. Vous rentabilisez ce genre de véhicule et vous optimisez les consommations avec un maximum de recharge. C'est comme ça qu'on utilise un hybride rechargeable. Si vous faites beaucoup de petits trajets, la voiture est totalement adaptée. Vous pourrez même rouler quasiment en 100% électrique tout le temps. Quand vous partez en vacances, eh bien vous pouvez partir parce que vous avez de l'autonomie. Et regardez le creuset de la planche de bord ici avec ce petit alu. Et ces coutures un peu vert krypton qui figurent également dans la 508 PSE. Hein. Le mode de recharge par induction qui est ici, qui est très bien positionné je trouve. Un rangement très profond là. Les grands leviers de vitesse c'est fini et c'est bien. C'est maintenant une petite manette ici qui fait office. Deux leviers de vitesse avec le bouton start and stop. La touche des modes de conduite ici qui permet d'avoir accès à trois modes. Le mode électrique, le mode hybride et le mode sport qui fonctionne sur cette auto avec le mode break qui permet de récupérer de l'énergie pour les batteries au freinage. Et Célib, c'est une vidéo tous les dimanches matin, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. On va maintenant aller faire un petit tour sur la route. Je passe la marche arrière et regardez la caméra haute définition. Ça fait enfin plaisir d'avoir une telle définition sur l'écran. Parce que c'est pas le cas, par exemple, sur une 508 PSE à plus de 60 000 euros, eh ben, on n'a pas une caméra avec une haute définition comme ça. Hein. Donc ça fait plaisir sur cette nouvelle 308. Vous avez donc quatre caméras, une à l'avant, une à l'arrière et une dans chaque rétro. Et on peut même aller zoomer et voir un petit peu ce qui se passe sur chacune des caméras. C'est plutôt pas mal. Dans les commentaires si vous avez eu une voiture dans la série des 300 de chez Peugeot. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Laquelle était votre préférée selon vous? Alors sa position de conduite, malgré l'iCockpit, on la trouve assez facilement, même si la jambe du volant, comme je l'ai dit, gêne un peu parfois. Alors le démarrage se fait en mode 100% électrique. Forcément, c'est le grand silence. La voiture a des relances en mode électrique plutôt pas mal. C'est là l'attrait de ce mode de propulsion. L'électricité, elle peut monter jusqu'à 130 km/h en mode 100% électrique, ce qui est vraiment très bien. Après, on va passer en mode hybride, histoire de préserver la batterie, avec en plus la touche brake. J'appuie sur cette touche qui permet au freinage de récupérer l'énergie pour recharger la batterie. C'est dommage de perdre dans le cosmos de l'énergie. Le freinage est un petit peu particulier, la consistance du freinage elle est souvent différente. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais effectivement, pour le dosage savant du freinage, c'est plus compliqué. Mode sport,
On y va, 3, 2, 1, c'est parti. Vous entendez comme ça crie, c'est pas du tout son exercice. N'aime pas être brusqué, cette Peugeot 308. Si on fait une relance avec la voiture, j'appuie, elle part. Il y a un décalage dans le temps. Ouais. Il n'y a pas de réactivité. La réactivité est plus présente dans d'autres modèles que j'avais essayé, comme la Golf GTE, par exemple. Oh là là, R8. La Golf GTE, qui est une hybride comme celle-là, qui est vraiment la concurrente, est plus réactive sur la route. Hein. J'appuie, ça part et ça hurle. Vous voyez, ça hurle. Et après, ça part. Mais c'est long. Pour moi, c'est long. Personnellement, je trouve un peu bruyant le moteur PureTech de 180 chevaux. Il est assez présent. L'alliance des deux, moteur thermique et moteur électrique, font 225 chevaux quand même. Hein. Par contre, quand j'accélère, j'ai pas l'impression d'avoir les 225 chevaux. Il me manque quelque chose. Il me manque une petite saveur sportive, parce que quand même, 225 chevaux. Alors le volant chauffant, quand il fait 1 degré, c'est très appréciable. Vous voyez que c'est réglable ici dans ce petit menu avec les sièges chauffants. Et bien, c'est une très belle chose, le volant chauffant, c'est pas un luxe. La boîte EAT8, ici matérialisée avec cette petite manette de commande, elle peut parfois cafouiller et chercher le rapport à passer, mais généralement, dans la majeure partie du temps, elle fonctionne parfaitement. Écoutez le bruit du clignotant. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais il est charmant. Nous avons un bon rayon de braquage avec ce petit volant, ça va vite et elle tourne bien. Regardez un petit peu à l'image ce pare-brise dégivrant avec ses petits filaments si caractéristiques. Personnellement, je ne suis vraiment pas fan de cette option puisque ça fait comme un voile au soleil. Vu le nombre de jours où nous avons du givre, je pense qu'il est mieux, comme c'est un véhicule hybride rechargeable, de programmer l'heure de départ le matin et de dégivrer la voiture en allumant la climatisation à l'heure dite. C'est mieux que d'avoir ce pare-brise dégivrant qui gêne un peu à la vision, en tout cas moi, ça me chagrine. Avec cette voiture hybride, au niveau de la consommation, eh bien, elle dépend de votre utilisation. Vous pouvez rouler en 100% électrique si vous faites que des petits trajets, donc vous n'allez pas consommer beaucoup. Hein. Entre 4 et 5 litres si vous utilisez bien, et puis après ça peut monter à plus si vous rechargez uniquement en roulant et jamais sur la prise, ça peut monter à 7-8 litres hein, facilement. Donc il faut en faire une bonne utilisation pour optimiser ses consommations. Dès que je tourne un petit peu le petit volant, eh bien tout de suite, ça réagit, c'est très vif, et ça, on aime. Et vous voyez, je vais faire le tour du rond-point, effectivement, ça tient vraiment bien, je peux vous assurer, ça vire quasiment à plat. À vitesse stabilisée, le niveau sonore est tout à fait correct. L'amortissement est ferme, juste ce qu'il faut de roulis. Franchement, c'est vraiment assez pointu en termes de train avant. Cette nouvelle 308 démarre en termes de prix à 24 900 euros pour aller jusqu'à ce modèle, le haut du pavé, à 44 900 euros. Pari réussi pour Peugeot, ils ont réussi à bien remplacer la 308 de deuxième génération avec celle-ci. C'est vraiment un bon produit qui, au quotidien, vous donnera forcément satisfaction, car les mauvaises voitures ne sont plus trop légion aujourd'hui. Un hybride rechargeable reste agréable à utiliser au quotidien, surtout pour les trajets domicile, travail, c'est vraiment pertinent. Si en plus vous avez des embouteillages, là c'est bingo, parce qu'avec ce silence de fonctionnement en mode 100% électrique, c'est vraiment très agréable et zénifiant. Cette 308 de troisième génération permettra encore à Peugeot de rester sur le devant de la scène avec cette série 300 qui est très importante pour Peugeot. Si vous avez aimé cette petite vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça m'aide pour le référencement de Essais Libres. Et puis si vous voulez faire partie de la communauté, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui figure en bas de l'écran si vous voulez venir présenter votre propre auto dans une parole de proprio Essais Libres. Si vous êtes en cours d'un projet un peu loufoque avec l'automobile, eh bien je suis preneur pour le présenter à la communauté et suivre un petit peu votre projet, ça m'intéresse. Écrivez-moi à la même adresse mail qui figure en bas de l'écran. En attendant, portez-vous bien et surtout, vivez votre passion, c'est bien le plus important. Ciao !